guys. Today, in this lesson, we are going to learn present continuous or present progressive. Salut tout le monde, comment vous êtes? Jeudi, dans la leçon, ça, nous allons apprendre présent progressif. Nous devons faire présent simple, nous allons faire présent progressif. Pas oublier, moi toujours dis nous, abonnez avec Chanel là, partagez vidéo avec Zamio, avec famille, avec camarades, pour capable permettre Chanel là arriver plus loin. Même je m'aide comme ça ou même tout pour aider pour capable arriver plus loin. Moi compter sur présence sous que vous allez aider me partager vidéo yo pour plus monde capable voir yo. Quoi là ou côté là ou pas faire égoïste, partager. Kounia, on a regardé. Present progressive tense or present continuous. Présent progressif là les mêmes nous utilisons en anglais c'est là nous a fait un bagaille dans moment que n'a fait bagaille là action a déroulé là et bien nous relé temps ça présent progressif. Yon bagaille ou fait chaque jour. Yon bagay ou habitué fait, eh bien, le wap parle de li ou capable utiliser présent progressif. Pas oublier, présent simple avec présent progressif, c'est deux bagay différents. C'est ça qui fait nous te fait présent simple, qu'on y a fait présent progressif. Nous faisons séparément de manière à ce que vous capable comprendre, ou pas bouiller dans l'esprit ou pour capable comprendre yo bien. On a dit. We use these things to indicate continuing action, something going on now. These things come with the helping to be verb plus an ing ending. Nous utilisons tant ça à savoir présent progressif là. Pour nous capables d'indiquer une bagaille qui a continué fait ou bien une action qui a continué fait, une bagaille qui a fait kounia. OK? Une bagaille qui a fait kounia. Présent simple lui-même lui formé avec verbe auxiliaire to be, OK? Là nous dit helping qui c'est auxiliaire, et bien nous dit, li forme avec auxiliaire to be, ou bien li forme avec auxiliaire verbe to be, plus ing qui n'a fait, ou bien qui termine. Tandis ça nous dit bien, pour capable comprendre l'explication. Nous utilisons temps progressif là, ou bien présent progressif là, pour nous capable indiquer une action qui a continué, un bagaille qui a fait kounia. Tant ça lui-même lui formé avec verbe to be auxiliaire ou bien to be qui c'est un verbe auxiliaire, plus ing lui terminé ou bien en fin. Mais espérez vous comprendre. Ce n'est pas un bagage qui est difficile que nous expliquons là, c'est très simple. Seulement tant d'explications de manière à ce que vous capable de faire rien. Pas rien qui est difficile. Progressif là, vous pouvez utiliser. C'est pour un bagage ou toujours faire. Un bagage vous habitué à faire. Un bagage pendant un moment vous faire là. Eh bien, vous utilisez présent progressif. Présent simple différent, c'est ça faire ou utiliser ça qui est présent progressif pour expliquer l'action qui a passé dans le moment où on fait là, ou bien on va toujours fait, ou on va habitué fait. Kounia nous allons utiliser quelques exemples pour nous montrer comment on va former présent progressif là. En a, comme si là nous avons conjugué le verbe to be, et bien nous prenons I am. Is, are, plus verbe là,
et puis plus ing. OK? Ça sont formules que nous poser pour nous pour montrer ou ça. Là nous gagnons présent c'est ou bien temps présent c'est et bien nous gagnons présent progressif. On a regardé. Nous dit I speak, ça c'est présent simple là oui. Nous te fait présent simple déjà, nous te dit c'est sujet plus verbe là. Eh bien, nous dit I speak, ça c'est présent simple. Et bien, quand y a simple fait dans présent progressif, pour nous dit m'a parlé, et bien quand y a m'a parlé, nous dit I am speaking. Là, nous est I am, ça c'est formule là. Nous conjuguons verbe to be. Nous disons c'est verbe to be qui c'est verbe auxiliaire qui va accompagner présent progressif là. Et bien nous parlons tout là. Nous disons I am speaking. Ça c'est premier verbe là qui c'est verbe to be qui c'est auxiliaire. Et bien là, nous conjuguons là au présent. Et bien nous allons ajouter ing dans deuxième verbe qui c'est verbe action. Là, nous venons dire speak. Et puis mettez ing là-dedans. OK? Mettez speak et puis m'ajoutez ing qui vient bon présent progressif là. Et me dit I am speaking. Je suis en train de parler. M'a parlé kounya. OK? I am speaking. OK? Et bien kounya si tu pour avoir conjugué verbe to be honest, on dit you are speaking. Ça c'est pour positif, OK? Positivement m'a parlé, et bien on dit I am speaking. Ou à parler, you are speaking. La parler qui c'est un fille, on dit she is speaking. Elle est en train de parler. Yon garçon qui a parlé me dit he is speaking. It is speaking. We are speaking. You are speaking. They are speaking. Là nous voici très simple. Depuis action a fait. Yon bagay ou habitué fait. Et bien, on utilise présent progressif. Comment on forme présent progressif là? On prend un verbe to be qui est un verbe auxiliaire. On conjugue autant présent. Et puis, verbe qui vient en deuxième, qui est verbe action. Et bien, mettez ing là-dedans. On forme ça qui est présent progressif. Aussi simple. Là, nous, on dit you speak. Qui est différent que you are speaking. Ouais, she speaks, ça c'est action temps présent, t'es dit, les verbes conjugués au verbe au temps présent en anglais, troisième personne dans la prend s, et bien là nous on dit she speaks, mettez s qui côté dans troisième personne singulière, t'es dit troisième personne singulière en anglais c'est she, he, it. He speaks. Ouais, il parle. Et bien là, présent pour l'islam dit he is speaking. Qui est différent de he speaks. It speaks. Et bien dit it is speaking. OK. Pas rien là qui est difficile. Nous est aussi simple. Là, nous est dit we speak. Là on dit we are speaking. Nous on dit we are speaking. Là nous seulement dit we speak. Ça c'est pour présent simple qui est différent que présent progressif là. Les parler dans ce sens c'est positivement parlant. OK, les va parler positif. Et m'utiliser comme ça. Je vais parler positif. Mais si nous parlons négativement,
m'a tout montré forme négative là. La dame m'a tout montré. Voilà, si m'a parlé négatif, et bien me dit I am speaking. Ça allait pas parler positivement parlant. Quand y a si m'a parlé négativement parlant, et bien m'a bien là pour me former négatif là m'a mettre not. Tout ça va faire de manière négative, en anglais, on mette not. Après, verbe là. Ok? Eh bien, pour me former présent progressif là, moi gagne deux verbes. Premier verbe qui c'est verbe auxiliaire, deuxième verbe là, qui c'est verbe action. Eh bien, ma vin mette not ça pour me former négatif là, après verbe auxiliaire. Eh bien, me dit, I am speaking. Et bien là, quand je m'appelle de manière négative, je dis, I am not speaking. Ouais, je ne vais pas parler quand je dis, you are not speaking. She is not speaking. Nous sommes aussi simple. C'est parce que ce n'est pas compliqué qu'il fait tout faire négatif là, là-dedans. Pour capable comprendre ni positif là ni négatif là. Aussi simple. Suivre comprendre quoi bien parce que si ou pas pour conjuguer verbe yo ou pas capable parler, ou pas utiliser yo, nous va dire bagay qui pas bon. Mais le fait que ou suivre channel là, n'a bon ça qui bon quel que soit côté arrivé ou capable ouvrir corps pour dire gens que moi apprendre moi parce que m'a ba ou bon bagay. Pas gagner qui difficile là. Moi te quoi ou qui te comprendre homme négatif là parce que pas rien qui difficile là-dedans. C'est seulement on mettre nat après verbe qui c'est verbe auxiliaire. On continue. Present progressive tense. OK, ça c'est une question que nous allons poser avec temps présent progressif là pour capable voir comment on va répondre et on capable répondre plusieurs façons différentes. On a regardé. What is she doing? Okay. What is she doing? Qui ça l'a fait là? À savoir une fille. On dit qui ça l'a fait là? She is making a cake. She is making a cake. L'a fait un gâteau. She is cooking the meat. She is cooking the meat. La cuit viande. Okay? Dit, she is cooking the meat. La cuit viande. Kounia. N'a pris quelques autres phrases qui s'est présent simple et puis tout n'a fait quelques autres phrases avec présent progressif là. On a le suivi. Peter goes to school every day. Peter goes to school every day. Peter allait à l'école chaque jour. Ça c'est présent simple, nous et verbe là, li au présent simple. De dit de pouvoir conjuguer un verbe au temps présent simple. Depuis c'est un verbe qui termine par au troisième personne apprend es. Et bien là, je vais to go. Et bien, je dis Peter. Si je remplace un pronom par Peter, je dis he goes. Et bien là, je dis Peter goes to school every day. Peter allait à l'école chaque jour. The baby is drinking milk. The baby is drinking milk. Bébé a bu lait. Et comme si drinking ça là, c'est deuxième verbe action. Et bien si bébé a lui-même la bu lait dans moment que n'a parlé à la boulette là. Philip plays the guitar.
Philip plays the guitar. Ok? L'âme de dit, he plays, qui se présente simple. Ok? Dit, Philip plays the guitar. Ça se présente simple. L'âme dit, the children are not watching TV. The children are not watching TV. Ti moun yo pap gade televizyon. Ok? Ti moun yo pap gade televizyon nan mouman sa. Ok? Ti moun yo pap gade televizyon nan mouman sa. Ou bien ti moun yo pap gade televizyon. My wife do not cook on Sunday. My wife do not cook on Sunday. Là, ça c'est une phrase présent simple qui c'est négatif. Bill is talking at this moment. Bill is talking at this moment. Bill a parlé kounye a. Bill a parlé kounye a. Bill a parlé nan moment sa même. Ok? Bill a parlé nan moment sa même. Do you eat egg frequently? Do you eat egg frequently? Do you eat egg frequently? Est-ce que ou mange zé fréquemment? Ça c'est une phrase présent simple. Ok? I am going to church next Sunday. I am going to church next Sunday. Là ou gitan wè, c'est un présent progressif qui annonce un futur. Ok? Ndi, mwen genye pou m'ale l'église dimanche kap vini ou bien dimanche prochain. Kounye a, nan preke l'autre phrase nan présent progressif tensan pou kapab wè. Tout autre que nous ba ou plus explication ou même pou apwè façon kapab abonde ou tête. You are kissing with your wife. You are kissing with your wife. Wap bo avec madame. Ok? Sa action a fait kounya. Kounya même la bo. Ok? Di, you are kissing with your wife. She is looking for a job now. She is looking for a job now. La chache yon job kounye ya. I am dancing with my friend. I am dancing with my friend. Ma danse avec zanmim nan. Ok? Ma danse kounye ya avec zanmim nan. Tout sa ou se sens kriyol la. Mwen di présent progressif la se yon action ki ap fè pandan wap pale ya, pandan wap fè la. Ou bien bagay ou abitue fè, eh bien, très simple. Kounye ya, ou même ou gen devoir pour continuer pratiquer faire phrase pour contour pour capable voir comment li facile si c'est seulement ça mboyo pour pratiquer ou pas essayer faire pour contour ou toujours voir les difficiles mais ou même si toutefois que ou continuer pratiquer ou apprendre vraiment facile kounya nous pral ba ou mot qui marche avec temps présent progressif là nous capable dire time markers. Gen moun ki kapab prononse makers. Wè, di, time makers of present progressive tense. Ou bien moun kapab di, time words. Ok? Time markers, ou bien time makers, ou bien time words. Ki se menm bagay la. E bien di,
now, right now, at this moment, today, ça yo yo même de pouwe yo, yo se mot qui marche avec temps présent progressif là. Ou capable faire phrase avec yo pour kontou, yo utilise la gen qui utilise la, mais ou même ou pas apprendre yo jouer avec yo pour capable utiliser yo pour faire phrase dans présent progressif là. Aussi simple, par exemple, nous nous prenons un exemple, nous dit she is looking for a job now. La cherche un job kounye ya. Et bien ou même ka di right now. OK? At this moment today, m'utilize ou la. Et gen plus toujours. Chaque soir pa prendre n'a continuer bon mot qui marche avec yo. Time makers yo n'a toujours ba ou. Chaque sa nous fait ensemble avec n'a bon mot le wa fè yo kapab itilize. Nou te promet tout, nan fè tout sa depan de nou pou nou kapab agreye pou mes nou anve yo. Ou mèm, kontinye gade video yo, partaje yo avèk zanmi yo, abone avèk chanel la pou kapab ede nou ale ver avan. Thank you for watching this video. See you next time. Bye bye.